les siens, les chemins des vieux. C'est très bien qu'on ne peut pas tout attendre et de cet accord et des dirigeants, car on peut être déçu, comme à Copenhague en 2009. Et puis on sait aussi que la société ne va pas changer parce que des chefs d'État ont signé un traité. Le changement, il va se passer dans les territoires, dans les villes, dans nos vies. Donc nous, on pense, et ce qu'on veut montrer aux citoyens, c'est que individuellement et collectivement, le changement, il passe par nous et par justement les solutions qu'on est capable aujourd'hui, nous, de développer, de massifier et de rendre plus fortes. Que les solutions sont là, et des fois on se dit mais enfin c'est voilà, c'est facile de dire on trouvera, enfin on a pas les moyens de les mettre en place, mais quand on vient ici et qu'on discute avec les gens, on se rend compte qu'en fait y a plus qu'à, mais on sait pas où ça bloque. C'est ça qui est bizarre. Là, c'est foisonnant, c'est absolument fabuleux. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Donc, je picore, j'ai regardé pas mal l'agriculture. Il y a un surisolant, si on veut atteindre vraiment une maison dans le climat dans lequel on vit ici en France. Une maison neuve, pour moi, elle ne doit pas être chauffée. Maison construite neuve dans les règles d'art et du respect des potentiels de ces matériaux-là n'aura plus besoin de chauffage, et donc vous vous retrouvez chaque mois avec un gain du coût de chauffage que vous investissez encore aujourd'hui. Prends soin de la planète, l'important.